suis en deuxième année de BPJEPS. Je joue en espoir, donc je suis également au centre de formation. Donc dans le cadre de mon BPJEPS, je devais créer un événement. Donc j'ai essayé de créer un événement avec le handball pour faire un échange multisport. Vu que je passe mon BPJEPS, j'ai décidé de créer cet événement un petit peu plus gros et pas juste une simple journée, un simple échange, pour d'une part pour faire plaisir aux gamins, d'autre part pour leur inculquer des valeurs un petit peu différentes de leur sport initial et une valeur commune telle que le respect, telle que des valeurs, par exemple je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc voilà, c'est des valeurs qui me semblent importantes dans le sport en général. En fait, j'ai organisé ces journées avec Nathalie, donc qui entraîne les U11 de Varennes-Vauzelles au niveau du handball. Donc en fait, on a voulu faire une journée commune concernant un événement, donc le multisport. Et on a voulu également intégrer de la lutte pour pouvoir faire trois sports différents et qui ont un rapport avec nos sports initiales. Donc on a commencé en début de journée en fait, donc par un petit échauffement en commun. Par la suite, on a divisé en trois groupes. Un groupe qui allait au rugby, un autre à la lutte et un autre au handball. Tous les 40 minutes, ça tournait. Mais par contre, on va prendre les règles un peu plus spécifiques. Allez vite, allez, on est là. Ils se sont changés, douchés, etc. On est allé directement au stade. On est allé dans les tribunes, on a vu les joueurs. Donc ils ont un petit peu regardé les joueurs, ils ont applaudi, etc. Donc, on est allé directement au sas de réception pour le goûter qui leur était consacré. Et nous avons fait la distribution donc, des t-shirts, des dotations, donc des sacs, et par la suite directement des médailles. On a fait plein de trucs. On a découvert le handball aussi. Et j'ai joué dans les cages. Merci parce que c'était trop bien. Et j'ai bien aimé. On a eu un t-shirt, une médaille, un sac à dos avec plein de trucs dedans.